Merci, bonjour. Et notre invité politique ce matin, c'est François Rebsamen. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, maire de Dijon, président de la Fédération progressiste dont on va parler. On est ensemble pendant un peu plus de 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour, bonjour Oriane. Bonjour monsieur Rebsamen. Bonjour. François Rebsamen, on va évidemment longuement parler du congrès des maires dans quelques instants, mais d'abord un mot sur une question d'actualité, c'est l'assurance chômage. Puisqu'Olivier Dussopt a présenté sa nouvelle réforme il y a quelques jours, elle vise à moduler l'indemnisation en fonction de la conjoncture, la durée d'indemnisation va baisser de 25% au 1er février pour les nouveaux chômeurs. Est-ce que vous, l'ancien ministre du Travail, vous auriez pu porter cette réforme ? Est-ce que j'aurais porté cette réforme ? Ça dépend de la période, parce que la vérité aujourd'hui, c'est que les Français ne comprennent pas le marché du travail. Excusez-moi de parler comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils entendent, ils voient qu'il y a plus de 300 000 emplois non pourvus. Et ils voient en même temps qu'il y a plus de 3 millions ou 3 millions de chômeurs. Donc ils se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand j'étais ministre du Travail, j'ai répété à l'envi qu'il y avait 350 000 postes non pourvus. Mais aujourd'hui, c'est encore pire que ça. Il y a des métiers en tension, en grande tension, sur des métiers qui ne demandent pas une grande formation a priori, je dis bien a priori, et qui ne trouvent pas preneur. Et donc, je pense que c'est dans cet état d'esprit que se trouve à cet instant Dussopt et le gouvernement, pour dire comment on peut améliorer cela. Donc à partir du 1er février, ce que vous avez dit est juste, il y aura une baisse, mais pas pour tous les professionnels. J'ai vérifié que les intermittents du spectacle sont écartés de cela. L'idée, c'est de valoriser le travail à la place de l'indemnité. Donc vous auriez pu la porter, qu'elle est écrite. C'est une baisse, vous me sentez gêné, parce que c'est une baisse, incontestablement, je ne vais pas dire le contraire, des indemnisations. Avant, pour un jour travaillé, on avait un jour qui pouvait être ainsi indemnisé. Aujourd'hui, on va être à 75%. Ça reste quand même, il faut le dire, le degré d'indemnisation le plus élevé d'Europe. Donc, il faut relativiser toujours ce genre de choses. Bon, moi, je préférerais que ça se passe tout ça en accord avec les organisations syndicales dans le cadre d'un dialogue social, mais il est difficile parce que aujourd'hui, le dialogue social, il est un peu interrompu, on va dire. Et je compte sur Olivier Dussopt pour leur mettre Mais vous la comprenez, cette réforme ? Oui, je la comprends pour les raisons que, comme les Français, ouais. Je préfère le travail à l'indemnisation. Voilà, c'est vrai que quand vous voyez des restaurants, des hôtels qui ne peuvent plus fonctionner parce qu'il manque de personnel et que vous avez des gens indemnisés au chômage, j'avais créé la prime d'activité pour valoriser le travail par rapport justement au chômage, il faut dire la vérité. On va parler du congrès des maires ? Oui, grand messe des élus locaux qui se déroule à la porte de Versailles à Paris jusqu'à demain. Le président de la République, alors, il pratique une formule inédite cette année, jamais vue pour un président. Il boude le congrès des maires, il n'y aura pas de discours présidentiel demain. Mais par contre, il s'accorde une grande déambulation cet après-midi au Salon des maires. Est-ce qu'il a raison de pratiquer ça ? Est-ce que c'est une défiance vis-à-vis du Congrès des maires et de l'Association des maires de France ? Et puis, question, est-ce que vous serez avec le président cet après-midi ? Bah, je serai cet après-midi au Salon des maires. Alors, est-ce que je serai avec le président ? Non, puisque j'y serai à titre personnel. Je le croiserai peut-être, je le saluerai bien évidemment. Et est-ce qu'il a raison ? Bon, je ne sais pas, vous savez, on a à peu près tout vu, des présidents qui venaient pas, des présidents qui venaient, des premiers ministres qui représentaient le président de la République. Est-ce que cette formule du discours ex cathedra, qu'on pourrait presque dire, a un sens vraiment ? Oui, parce qu'on entend le président dans sa relation avec les maires, mais je crois que la chose a évolué, c'est-à-dire je pense que depuis le mouvement des Gilets jaunes, il a compris qu'il y avait une autre relation à avoir avec les maires. Il veut des choses plus directes, j'ai l'impression. On verra. Alors plus direct, mais pas d'annonce. On nous signale à l'Élysée que tous les dispositifs sont en place. Ils ne vont pas réinventer la roue. Hein. C'est les mots d'un conseiller élyséen. Est-ce qu'il ne faut pas malgré tout que le président de la République rassure des élus qui voient 2023 comme une période de crise multiple ? Alors, il y a aujourd'hui une grande crainte d'une partie des maires, des élus. Pourquoi ? Parce que il y a de plus en plus d'exigences de la population. Je crois que la sortie de la Covid l'a montré. Les citoyens sont beaucoup plus demandeurs de réponses rapides, d'efficacité. On donne
On demande beaucoup aux maires et on ne leur donne pas toujours la possibilité d'assumer cette responsabilité qu'on leur confie, en quelque sorte. Nos concitoyens voient souvent les maires comme des prestataires de services plus que d'autres choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas ce pouvoir d'agir, c'est le thème du congrès. Vous n'avez pas le sentiment de l'avoir ? Je ne dirais pas ça. Je suis maire d'une grande ville et je peux vous dire que j'agis. Et je peux vous dire que la ville de Dijon est une ville qui est en pointe en matière écologique et que la relation avec les administrés est bonne. Mais pour autant, il y a l'ensemble des maires et donc nous ne sommes pas un îlot de bonheur dans un océan de difficultés. Mais cela dit, est-ce que vous rejoignez l'Association des maires de France qui conteste cette perte d'autonomie fiscale représentée par la suppression de la CVAE, cet impôt local sur les entreprises? Alors après, la taxe d'habitation, supprimée elle aussi, est-ce que c'est un nouveau coup à l'autonomie des communes? Alors moi, je vais vous répondre tout à fait clairement. C'est un engagement du président de la République pris dans le cadre de sa campagne présidentielle, mais c'est surtout, j'allais dire, une ponction supplémentaire encore sur les finances publiques, parce que c'est un remboursement de l'ordre de 4 milliards d'euros la CVAE, pour moitié, puisque vous le savez, ça va être fait en deux parties. Oui. Moi, j'aurais préféré qu'ils suppriment la C3S, qui impacte plus, je le crois, que la CVAE, les entreprises. J'ai essayé de plaider, je plaide encore pour dire que la CVAE n'est pas un impôt de production, c'est un impôt sur la valeur ajoutée de l'entreprise, sur ce qui est produit, et donc pas sur, en amont de la production. Mais bon, c'est la décision du président de la République. Donc vous demandez encore son maintien, vous y croyez? Oui, mais on le dit dans le cadre des débats, je vois les parlementaires qui s'expriment sur ce sujet. Moi, j'aurais préféré qu'on supprime la C3S, qui est un impôt qui pèse lourd sur un certain nombre d'entreprises. Oui. Sur la dotation globale de fonctionnement, alors le gouvernement dit qu'elle augmente de manière inédite depuis 13 ans, mais les élus demandent son indexation sur l'inflation. Vous regrettez que le gouvernement refuse cette indexation ? Non, on ne peut pas tout avoir et tout faire. Donc, soyons clairs, il y a une augmentation de la DGF de l'ordre de 330 millions d'euros. C'est une bonne nouvelle. 320 millions, pardon. Mais je crois qu'ils en ont rajouté 10 hier soir. Ah. Mais, c'est une bonne nouvelle. On va pas dire le contraire. C'est une bonne nouvelle. Et c'est vrai que c'était assez inédit, puisqu'on a connu, dans la période François Hollande, une forte diminution de la DGF. Elle a été maintenue, un peu renié, mais enfin maintenu globalement sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, et là elle est maintenue et augmentée légèrement. Donc c'est une bonne nouvelle en soi. Pour autant, ce qui aujourd'hui inquiète les maires, c'est qu'elle va être le relèvement du niveau des bases. Est-ce que nous allons avoir un relèvement qui va être au niveau de l'inflation ou pas? Parce que les finances de nos communes sont fortement impactées par la crise énergétique. Alors, il y a un bouclier qui a été mis en place pour les petites communes pour le moment, mais nous nous battons pour que les grandes communes le soient. J'ai en tête deux ou trois exemples de grandes villes qui voient leur facture énergétique multipliée vous, par... Vous pour Dijon, ça représente quoi comme... C'est multiplié par deux, je peux donner un exemple à peu près précis, c'était 10 millions d'euros pour la ville, hein, on parle, c'est 20 millions d'euros l'année prochaine, donc c'est pas rien. Et donc l'amortisseur tarifaire dont le gouvernement parle, oui, pour vous, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais oui. Pour le moment, la chose n'est pas très précise. Et donc on n'arrive pas à savoir exactement quelles vont être les communes, villes qui vont être couvertes par... Donc vous attendez peut-être d'Elisabeth Borne qui doit prononcer le discours demain à la place du président, qu'elle précise ses modalités. Je voudrais dire qu'il y a un bon contact avec la Première ministre, qu'elle a pris en compte un certain nombre de demandes pour qu'il n'y ait pas de décision autoritaire et qui soit prise comme ça a pu l'être du temps de l'ancien Premier ministre d'Édouard Philippe. Les contrats de Cahors. Nous ne voulons pas là, il y a quand même un encadrement des dépenses qui est prévu. Vous le regrettez, vous demandez... Mais on me dit qu'il faut attendre, je vais attendre le discours de la Première ministre demain. On nous dit qu'il fallait... Elle pourrait revenir là-dessus. Moi, j'avais rencontré au titre de France Urbaine, puisque je préside la commission des finances, Gabriel Attal, il y a un mois et demi, fin septembre, on va dire, et nous étions convenus qu'il n'y aurait pas de mesures type contrat de Cahors. C'est revenu dans le débat, c'est reparti, j'attends de voir. En gros, ce que je conteste, c'est la nécessité de diminuer de 0,5% par rapport à l'inflation nos dépenses de fonctionnement. Ce qu'on nous demande, l'État ne le fait pas. Donc je pense qu'il faut que tout le monde s'y mette, pas uniquement les maires. David Lisnard, le président de l'AMF,
parle de paternalisme ambiant de la part de l'État. Est-ce que c'est des mots que vous reprendriez ? Non, non, non. Je pense qu'il y a il y a quelque chose qui se passe à Bercy qui n'a pas beaucoup changé. C'est qu'on considère les maires, les élus locaux d'une manière générale, comme des dépensiers. C'est un principe à Bercy. Alors que l'État est extrêmement rigoureux. Alors que nous savons tous que l'État est d'une rigueur absolue sur ses déficits, comme on peut le voir tous les jours, puisque on est à plus de 5%. Donc ça se passe bien avec Elisabeth Borne, mais vous attendez des actes quand même. On attend des annonces, oui, des actes, et que à travers toutes les procédures de 49.3, il n'y ait pas de loupé. Il y a un sujet que vous suivez particulièrement, évidemment, depuis des années, ce sont les questions de sécurité, les élus, les agressions envers les élus qui augmentent considérablement. Est-ce que vous vous sentez suffisamment protégé ? Est-ce qu'il faut durcir encore les sanctions contre les agresseurs d'élus, selon vous ? Je pense qu'il faut surtout les appliquer, les sanctions. Le problème, il est là. Le problème, il est qu'on a, depuis 20 ans, négligé, globalement, tous les gouvernements qui se sont succédés ont négligé la justice. Je pense que nous manquons de magistrats. Y compris le gouvernement socialiste. Y compris le gouvernement socialiste, bien sûr. Il avait légèrement augmenté. Il y a eu une reprise sous François Hollande, je me rappelle très bien, mais c'était insuffisant. Il faut dire qu'on était dans une période de contrôle des dépenses, je le rappelle. Ça va revenir. Ça va revenir. On ne peut pas rester, vous l'avez bien vu, avec 5% de déficit. Déjà, on nous dit, le FMI nous interpelle. C'est exactement la situation quand Hollande est arrivé. Et donc, il n'empêche que les postes sont en augmentation. Avec Dupond-Moretti, il y a eu une augmentation du nombre de magistrats, mais il y a un tel retard aujourd'hui, il y a un tel retard qu'il n'est pas normal que des sanctions soient prises par les magistrats un an et demi, deux ans après des faits. Mais est-ce que vous voyez, comme vos collègues qui se sont exprimés dans une enquête du CEVIPOF avec l'AMF, est-ce que vous observez cette montée de la violence à l'égard des élus, même cette violence ambiante dans les mots, cette atmosphère de défiance, alors même que, selon les baromètres politiques, les élus locaux sont parmi ceux qui obtiennent le plus de confiance de la part des administrés ? Je peux encore me promener tranquillement dans les rues de Dijon sans être agressé, et je ne suis pas le seul. Mais ça rejoint mes propos du début, à savoir il y a une exigence plus grande. Et il y a effectivement une nervosité, j'essaie de dire les choses. Il y a une sorte de violence contenue dans la société depuis cette crise de la Covid, un horizon qui n'est pas éclairci, le sentiment que la guerre est à nos portes, il faut quand même parler de choses comme celle-là, que l'inflation est là, rogne le pouvoir d'achat, que les prix augmentent. Mais je voudrais aussi rappeler que nous sommes un pays qui a une hyper-protection, une très bonne protection quand même des populations. Nous avons eu le taux d'inflation quand même le plus bas d'Europe. Le plus bas, ça compte. Tout ça, c'est des points de croissance derrière. Donc moi, je ne voudrais pas quand même être celui qui crie au loup sans raison. Il y a un autre sujet dans l'actualité, c'est la politique migratoire avec la gestion de l'Ocean Viking. Un de vos anciens compagnons de route au Parti socialiste, Gérard Collomb, a vivement critiqué cette décision. Il a mis en garde Emmanuel Macron, c'était son premier ministre de l'Intérieur. Hein. Et il a parlé d'une brèche créant un précédent. Est-ce qu'une semaine, 10 jours après l'arrivée de l'Ocean Viking, les faits lui ont donné raison ? Non. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec la position de Gérard Collomb. Je pense que le président de la République a eu raison. Je vais le dire tout à fait clairement, ça ne sera pas un appel d'air. On ne peut pas laisser mourir des gens comme ça devant vous en mer, à quelques kilomètres des côtes. Il l'a fait. Par contre, je pense qu'il y a des mesures à prendre aujourd'hui. Il faut réviser la circulaire Valls de 2012, parce que tout notre système d'accueil... Il y a une tradition d'accueil dans ce pays, et notamment tous ceux qui réclament l'asile, et nous allons continuer à l'appliquer. Le pays doit continuer à l'appliquer. Mais pour autant, tout le système est embouteillé, excusez-moi de l'expression, parce que nous avons en France des milliers et des milliers de ni expulsables, ni régularisables. C'est-à-dire qu'ils sont en France depuis plus de 5 ans et ils peuvent prétendre à un titre de séjour puisqu'ils sont en France depuis plus de 5 ans. C'est la circulaire Valls de 2012. Mais pour autant, pour avoir ce titre de séjour, il faut qu'ils aient un contrat de travail. Et pour avoir le contrat de travail, il faut qu'ils aient le titre de séjour. Alors moi, je suis pour qu'on régularise beaucoup plus ceux qui sont là depuis 5 ans dans des conditions de formation et d'accueil qu'il faut vérifier sur la langue,
langue, sur etc. Mais ces gens sont là, ils ont envie de travailler. Et aujourd'hui, on manque de bras. Excusez-moi, l'Allemagne a montré un exemple en la matière. On manque de bras. Je pense qu'il faudrait régulariser ces nini, pas globalement et tout, mais le faire au fil de l'eau. Et ça serait. Gérald Darmanin et sa loi immigration, justement, qui évoque cette possibilité de quotas dans des métiers en tension pour des personnes qui ne disposeraient pas de papiers. Oui, je soutiens, ça surprend tout le monde, mais je soutiens la démarche de Gérald Darmanin. Il a pris conscience de la difficulté de la chose, il a pris aussi conscience de la violence qui se répand dans cette société, et donc nous avons plus de policiers. Je rappelle qu'il a fallu compenser, je me permets de le dire comme ça, les 10 000 policiers qui ont été supprimés sous Nicolas Sarkozy. On va parler politique, on va parler de la Fédération progressiste que vous présidez. Est-ce que vous êtes encore socialiste, François-Alexandre ? De cœur, je suis encore un homme de gauche, on va parler comme ça. Je suis un homme de gauche, mais je suis un social-démocrate. Et donc, on pourrait dire un socialiste, social-démocrate, si vous le voulez, mais on pourrait définir. C'est-à-dire que je suis universaliste, je suis laïque, je suis républicain, je suis écologiste, et je suis en même temps et fermement européen. Et mais donc, pas macroniste. Macroniste, pour moi, c'est je soutiens le président de la République quand il présente des bonnes réformes et je critique quand il en présente des mauvaises. Et ça ne me gêne pas d'avoir... C'est quoi les mauvaises ? D'avoir dit, par exemple... je vous ai donné l'exemple de la CVAE. Je pense qu'il aurait mieux valu faire la C3S. Ça, c'est pas une bonne mesure. Voilà. Après, j'appelle au dialogue social dans tout ce qui concerne la réforme de l'assurance, de l'indemnisation du chômage ou sur les retraites. Il faut absolument que soit prise en compte la pénibilité, etc. Donc moi, je ne suis pas macroniste au sens de Macron. J'ai soutenu le président de la République. J'ai dit je suis un homme de gauche qui vote Emmanuel Macron. Je ne le regrette pas. Donc, et dès le premier tour. Voilà, c'est assez simple. Pour autant, je ne suis pas béni, oui. Et la Fédération progressiste, elle a pour vocation, avec d'autres, sans hégémonie, en bienveillance, c'est les mots qu'il faut employer en ce moment dans la vie publique, en bienveillance, de rassembler toutes celles et tous ceux qui veulent bien travailler à essayer d'élaborer un projet social-démocrate. Alors justement, François-Alexandre, vous dites ni totalement socialiste, ni totalement macroniste. Je me définis comme ça. Alors progressiste, puisque vous lancez la Fédération progressiste, vous l'avez lancée officiellement au début du mois, là, avec Juliette Méadel, ex-porte-parole du Parti socialiste et ancienne secrétaire d'État, François Hollande. Mais quels sont les projets de dorénavant ? Qu'est-ce que vous avez compté mettre en place pour justement pallier les déficits que vous notez envers le PS ? D'abord travailler à l'élaboration d'un projet. C'est-à-dire de multiplier des rencontres sur des thèmes avec des personnalités qui viendraient animer ces débats pour que pendant les 2 ou 3 années qui viennent, tous les sociodémocrates qui se reconnaissent d'abord sur une méthode, cette méthode c'est l'éloge du compromis. Et j'ai rappelé qu'Henri Weber avait fait un livre très intéressant sur ce sujet. L'éloge du compromis, c'est-à-dire la recherche du compromis plutôt que l'affrontement, l'opposition stérile, comme on peut le voir à l'Assemblée nationale de la part de la NUPES. Je ne parle même pas de l'extrême droite. Et donc, la NUPES Je critique la NUPES. Je ne suis pas du tout sur cette ligne-là. J'ai dit que j'étais européen. Donc c'est déjà un point de divergence profond. D'autre part, je pense qu'il faut chercher des compromis dans l'intérêt général. Je ne pense pas que l'affrontement, aujourd'hui, c'est une manière de se conforter dans la vie publique ou de s'affronter. Moi, je suis pour chercher des relations de compromis avec le gouvernement, améliorer la situation de nos concitoyens et pas la révolution. La gauche de gouvernement, elle n'existe plus, selon vous ? Ben non, elle a disparu. Il faut la recréer. Il faut la recréer par un projet, par des débats. Nous aurons un nouveau rendez-vous que je fixerai, disons, fin janvier, début février. Je compte inviter, par exemple, quelqu'un tout à fait intéressant qui s'appelle Giuliano D'Ampoli, Caroline Fourès. Vous voyez, on va travailler. Non, mais ce projet, il aboutit à quoi ? Oui. Quel est l'objectif final ? Est-ce que ça doit mener à des listes ? Il doit y avoir une liste social-démocrate. Pour les européennes ? Pour les européennes, bien évidemment. Il doit y avoir, la prochaine fois, le président de la République ne se représentera pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte un projet. Mais ce projet, il ne faut pas faire ce qu'a fait Anne Hidalgo. Il faut le préparer longtemps à l'avance. Et il faut avoir un vrai projet. Moi, par exemple, je propose de travailler, pour le moment, sur le partage de la valeur. J'ai vu que c'est un sujet dont le président de la République
Oui, mais vous savez, aujourd'hui, dans le partage entre le capitalisme et les forces sociales, eh bien, ce sont les salariés qui sont aujourd'hui pénalisés. Et donc, il faut qu'ils retrouvent de la valeur ajoutée, qui soit partagée avec eux, selon quelle forme, quelle relation entre le travail et le capital. Tout ça, il faut le remettre sur la table. Mais juste pour qu'on soit clair, François, ça rassemble d'où ? Est-ce que vous espérez attirer à vous les déçus du PS qui ne veulent pas de l'accord de l'ANI ? Donc vous les appelez. Bernard Cazeneuve, Stéphane Le Foll. Je les ai appelés au téléphone. J'échange. Et on dit il faut qu'on travaille ensemble, tous ensemble, en oubliant les petites histoires, mais surtout qu'on travaille sur le fond. Et je pense, François Rebsamen, je suis désolé, mais on a l'impression qu'à l'heure actuelle, chacun est en l'occurrence dans son couloir. Stéphane Le Foll poursuit sa stratégie. Christophe Cambadélis monte aussi sa propre initiative, vous également. Au final, il saute aussi avec Territoire de Progrès. Olivier, oui, mais exactement, Olivier, dont on va parler. Olivier, je l'ai rencontré, il est dans Renaissance. Est-ce que tous ces gens-là, nous ne sommes pas dans Renaissance. Est-ce que tous ces gens-là peuvent se retrouver à un moment donné, selon vous? Oui, il le faut. Je pense qu'il le faut. Et c'est ce qu'on s'est dit. Bernard Cazeneuve et Stéphane Le Foll. Des anciens socialistes, des soutiens d'Emmanuel Macron qui ne pourront pas soutenir Emmanuel Macron dans 3 ans, dans 4 ans, parce qu'il ne sera plus candidat. Donc, bien sûr, il faut qu'on travaille ensemble. Tous ceux qui veulent faire avancer les idées universalistes, laïques, républicaines, écologiques. Est-ce que François Hollande peut être un acteur aussi? Je le vois. Bien sûr, il doit participer à la réflexion. Il a beaucoup à nous apprendre. Il a été président de la République. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas. Il ne s'est pas représenté et que ça s'est soldé par un échec, qu'il n'a pas une expérience personnelle des choses. On doit sans hégémonie aujourd'hui. Nous ne sommes pas, n'a aucune volonté hégémonique, la fédération. D'ailleurs, pour le prouver, on a dit on peut avoir la double adhésion. Donc je dis venez rejoindre la fédération progressiste, venez travailler, grâce à vous, je peux le dire, venez travailler avec nous, rencontrez-nous. Il y aura des essais, il y aura des publications et on propose à tout le monde de se rassembler. Quel est le risque, selon vous, François Rebsamen, d'un échec de votre initiative? Est-ce que ce serait pour vous, finalement, donner les clés du socialisme à Olivier Faure et donc, d'une certaine manière, de le lier à la France insoumise? Mais il est déjà lié à la France insoumise. C'est bien ça, le problème. Vous avez vu, quand même, qu'ils ont présenté une motion de censure ensemble. J'ai eu une situation à peu près identique au niveau de la région Bourgogne dans le temps, puisque Jean-Pierre Soisson avait été élu avec des voix d'extrême droite à l'époque, et jamais, je présidais le groupe socialiste à la région, jamais nous n'avons voté avec les voix du Front National nous rejoignant. Il suffisait de mettre un amendement qui permettait d'éviter cela. Ça n'a pas été fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste tel qu'il est maintenu, il est dans la soumission vis-à-vis de la NUPES, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est une personnalité, elle est beaucoup plus forte qu'Olivier Faure, c'est lui qui emporte le mouvement. Ça veut dire qu'il n'a pas d'avenir, le PS, aujourd'hui? Ah non, dans sa situation, là, telle qu'il est, non. Et d'abord, il faudrait commencer par travailler. D'abord, il faudrait. Non, bien sûr que non. Quelles sont les propositions que vous avez vues avancées par le Parti Socialiste? Le partage de la valeur, la relation capital-travail, non, tout ça, c'était dans le bon vieux temps, j'allais dire. C'est fini. Et juste parce que vous dites Olivier Dussopt, il est dans Renaissance, ça veut dire que lui, il n'a pas vocation à vous rejoindre? C'est quoi la différence entre vous et Territoire de Progrès? Ah ben, nous sommes totalement indépendants de Renaissance. Nous sommes la jambe gauche, si vous le voulez, de la social-démocratie, mais nous ne sommes pas dans un... Et pas la jambe gauche d'Emmanuel Macron? J'ai été, pour l'élection présidentielle, un homme de gauche qui a appelé à voter Emmanuel Macron. Mais il faut bien comprendre les choses. Je crois que la vision que peut avoir Emmanuel Macron, c'est de créer un grand parti démocrate. Moi, je pense qu'il faut créer un parti social-démocrate. Ce n'est pas la même chose, exactement. Il manque social dedans. Vous nous confirmez que certains départs de Territoire de Progrès pour vous rejoindre, Gilles Savary, Yves Durand, on en a parlé. C'est ce qu'ils ont publié, c'est ce qu'ils ont dit. J'étais venu à ma réunion, mais nous sommes sans hégémonie. S'ils veulent rester, ils peuvent. J'ai dit qu'on pouvait avoir la double adhésion. La fédération progressiste a la vocation à permettre les débats, à rassembler et à élaborer un projet avec d'autres. Avant d'être un parti? Oui, plus un mouvement d'ailleurs, mais c'est un parti, puisqu'on lui a déposé le statut d'un parti. Une dernière question rapidement, celui-là. Alors, à contre-courant de beaucoup de maires, dont de nombreux maires de gauche, Martine Aubry, Anne Hidalgo, vous avez décidé de ne pas boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Alors, j'espère que vous avez profité du match hier soir. La Coupe du Monde sera diffusée sur écran géant. Vous dites comme Macron, il ne faut pas mélanger politique et sport?
Non, j'ai dit, il ne faut pas d'hypocrite. C'est surtout ça que j'ai dit. Parce que ceux qui ont appelé au boycott, alors que pendant 12 ans, ils n'ont rien dit. Moi, dès le début, j'ai dénoncé le fait que l'accord, visiblement, on le voyait bien, qui avait été élaboré sous Nicolas Sarkozy, encore lui, il était bancal et il était en faveur du Qatar. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. À ce moment-là, je l'ai dénoncé. Mmh. Et maintenant, place au football. Moi, c'est ce que je crois. Et d'ailleurs, ça va faire avancer les droits au Qatar. Et d'ailleurs, on voit déjà... On peut permettre comme ça à les Iraniens de venir débattre et de ne pas chanter l'hymne national en soutien au mouvement iranien. Ce qui montre bien que politique et sport se sont toujours mélangés, en fait, à la différence de ce que dit Emmanuel Macron. Mais je ne veux pas critiquer les propos du président de la République en la matière. D'accord, bon. Merci François-Yves Savène, merci beaucoup d'être venu. La une de la Voix du Nord, c'est sûr, oui, cet agent du fils qui a été tué. Hein. L'acte serait prémédité. C'est à la une de la Voix du Nord. Merci Julien, merci beaucoup François-Yves Savène. On passe au Club des Territoires. Thank you.